santé, Maximilien. À ce moment de la journée, ils ont déjà marché 10 heures. Seuls 4 d'entre eux ont jeté l'éponge et le rythme ne faiblit pas. L'origine de cette procession se perd dans la légende, mais peu importe. Entre religion, tradition ou défis personnels, ils ont tous une bonne raison d'être là. C'est spirituel, il y a quelque chose qui nous, je sais pas, qui nous mène, qui nous pousse, qui nous tire vers l'avant. J'ai mon amie qui a un cancer, je fais ça pour elle déjà, on verra après. Moi, c'est mon intérieur, après chacun le fait pour soi-même, forcément. Ils empruntent des chemins séculaires, ceux que Saint-Maximin aurait lui-même pris pour évangéliser ses campagnes. Et quand ils rencontrent une croix, il y en a 48, ils observent une station pour la bénir, selon un rituel très codifié. Adiutorium nostrum in nomine Domini. La bénédiction, c'est une prière où on demande que les gens qui ont orné les croix, les gens qui vivent sur là où se trouve la croix, à proximité, bien reçoivent les grâces dont ils ont besoin, donc les dons de Dieu, tout simplement. Ceux qui ont participé à la marche pendant 30 ans reçoivent une médaille d'or. Ceux qui la font pour la première fois ont une médaille d'argent. Une procession de 9 lieues, soit 54 kilomètres. Elle date quand même de la fin du XVe siècle et elle n'a jamais été interrompue, y compris sous la Révolution. Sous la Révolution, l'église était fermée, donc les gens, qui n'étaient peut-être pas très nombreux, partaient du porche de l'église pour faire la procession, mais ils la faisaient. Après une vingtaine d'heures de marche, la procession doit arriver ce lundi soir vers 20h30 à Magnac-Laval.